L'institution dans laquelle je me trouve, tout le monde se rappelle qu'aux côtés du président, c'est une institution que moi-même j'ai créée, j'ai pilotée, comme vous le savez tous, parce que c'est l'histoire de votre institution. Il a fallu qu'on se prépare, parce que c'est quelque chose de nouveau que nous avons créé avec le président. Il fallait qu'on se donne une année, et on avait mis en place un budget de 50 millions pour qu'on puisse faire une sorte d'entraînement, en quelque sorte. En tout cas, je voudrais profiter également pour le travail que vous avez fait pour cette région. Je vois qu'il y a beaucoup de changements. J'espère que vous pouvez, je vous le dis très officiellement, que je suis à votre disposition pour vous accompagner et l'ensemble des élus ici présents qui me donnent en permanence les comptes rendus de la région sont toujours à vos côtés. Vraiment, Monsieur le Président, solliciter de votre part, parce que j'ai vu que les gens d'Alissabié avaient fait quelque chose d'unique qui n'était pas dans d'autres régions. Ils ont pris l'initiative de créer un bureau des parlementaires. Votre collègue du conseil leur a donné un bureau. J'ai eu la chance de visiter ces bureaux, c'était quelque chose de grandiose. J'ai demandé à tous vos collègues de président du conseil de mettre à la disposition des parlementaires un bureau que eux-mêmes, comme ils l'ont fait les gens de l'Issabié, ils vont occuper. Et après, l'Assemblée prendra toutes les dispositions qui nécessaires pour les accompagner, parce que je voudrais que ces bureaux servent un point de liaison entre la population et l'Assemblée. Et nous allons même créer une instance au niveau du Parlement pour que puisse désigner d'un moment où tous les responsables parlementaires puissent parler pour la région dont ils reviennent. Mais c'est une question de la région, tous seront concernés et je voudrais que pendant cette période, chaque semaine, il y a un représentant, un parlementaire, ce qui soit en permanence.